Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Madame la ministre, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, très cordial bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Et je voudrais en quelques mots dire ce que nous faisons ensemble. Ensuite, notre ami le ministre des Arts et de la Culture d'Afrique du Sud dira lui-même quelques mots. Ensuite, Madame la ministre de la Culture. Mesdames et Messieurs, chers amis, les saisons croisées France-Afrique du Sud sont les premières saisons consacrées en France à un pays d'Afrique subsaharienne. Et ces saisons croisées mettent en lumière la créativité sud-africaine et la singularité de la relation qui existe entre l'Afrique du Sud et la France. Je veux remercier chaleureusement Madame Filippetti d'être à mes côtés aujourd'hui pour accueillir nos amis sud-africains avec le président Darcos. Ce volet sud-africain des saisons croisées, qui va s'ouvrir fin mai dans notre pays, est, je crois, très attendu. Les Français, cher ami, monsieur le ministre, sont curieux de votre pays, qui est le siège d'un des plus grands combats pour la dignité de l'homme au XXe siècle, incarné par le président Mandela, auquel un hommage particulier sera rendu. Et pour le jeune militant des droits de l'homme que j'étais il y a quelques dizaines d'années, alors d'ailleurs Premier ministre, c'est toujours une grande émotion de recevoir des amis d'Afrique du Sud. Votre pays est le foyer d'une culture florissante que le public français a déjà commencé à aimer à travers beaucoup de grands artistes, et certains nous seront présentés. L'Afrique du Sud est un très grand pays, je le mesure en parcourant le continent africain semaine après semaine. C'est un pays d'avenir qui compte énormément en Afrique et dans le monde. Ces saisons croisées permettront d'éclairer beaucoup d'aspects au-delà du seul domaine artistique, puisque c'est le choix qui a été fait. Et je salue les commissaires. Nous avons tenu à élargir ces aspects à toute une série de sphères d'intérêt commun. C'est ainsi, m'indique-t-on, que l'éducation, la recherche, l'économie, la santé, la jeunesse et les sports, l'innovation et le tourisme seront abordés à travers ces saisons croisées. Elles permettront ainsi de nombreux partenariats publics et privés qui vont renforcer les relations d'amitié entre nos deux pays, et c'est bien ça l'objet. Je veux saluer la collaboration très active de nos partenaires sud-africains et remercier aussi les généreux donateurs, les mécènes, comme nous disons, car sans eux, rien n'aurait été possible. La saison française en Afrique du Sud s'est achevée en novembre dernier, ça a été un succès. L'exposition Le Corps Image à Johannesburg a réuni devant des œuvres picturales et photographiques un public, me dit-on, très nombreux. Pour les arts de la rue, l'événement phare a été la Place des Anges à Durban, ville où s'est tenu également le Congrès mondial des professeurs de langue française. Et au total, et ce chiffre est impressionnant, plus de 150 000 personnes ont pu apprécier la programmation diversifiée de la France en Afrique du Sud. Et je crois que ce qui a été très apprécié, et ce sera la même chose ici, c'est que ce n'est pas dans une seule grande ville, mais dans toute une série de villes pour tapisser le territoire. Ce sont des bases importantes pour une coopération dans les domaines artistiques, universitaires, linguistiques notamment. Je veux remercier les organisateurs de ces saisons, tout particulièrement M. Dikang Mopola, président des saisons pour l'Afrique du Sud, et M. Xavier Darcos, président des saisons pour la France, M. Bongami Tembe, commissaire sud-africain, et M. Laurent Clavel, commissaire français. Je pense que j'écorche moins les noms en français qu'en sud-africain. Et je veux remercier aussi toutes les équipes
du Department of Arts and Culture que vous représentez ici, Monsieur le Ministre, et dont le soutien a été décisif du National Arts Council et de l'Institut français. Et puis je veux aussi, et enfin, dans ce propos court, remercier ceux sans lesquels, je veux parler des entreprises, rien n'aurait été possible. Je cite dans un moment de publicité, bienvenue, Air France, Areva, Bouygues, EDF, GDF Suez, Mazar, Fondation Orange, Total, et j'ai respecté l'ordre alphabétique. Et particulièrement le président du comité des mécènes, M. Oursel. Leur implication, évidemment, a été déterminante et ce sera la même chose pour la saison sud-africaine en France. Cette saison que nous lançons officiellement aujourd'hui va se tenir en fait de mai à décembre. Ça nous donnera l'occasion de revenir et nous en sommes heureux. Les manifestations organisées dans ce cadre dans toute la France vont connaître à coup sûr un grand succès et elles vont donner une nouvelle impulsion à la relation déjà excellente marquée par estime et amitié entre nos deux peuples. Je terminerai en disant que je crois beaucoup à l'amitié entre l'Afrique du Sud et la France et je souhaite un grand succès à cette saison croisée et une profondeur de champ à notre amitié. Merci.